Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer ce lundi, nous parlons du Proche-Orient. L'accord Émirats Arabes Unis-Israël va tuer la solution à deux États. Ce sont les autorités palestiniennes qui le disent. Nous allons tenter de comprendre cela avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis va tuer la solution à deux États, renforcer les extrémistes et éloigner la possibilité d'une paix israélo-palestinienne, a soutenu dimanche l'autorité palestinienne qui cherche à contrecarrer cette initiative de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas en passant par le pouvoir en Cisjordanie aux islamistes du Hamas qui contrôlent la bande de Gaza. La classe politique palestinienne a fustigé l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Mamadou Diouf, qu'est-ce qui gêne l'autorité palestinienne dans le fait qu'Israël, un État indépendant, puisse normaliser ses relations avec le pays de son choix? En réalité, le problème de l'autorité palestinienne, c'est moins Israël que les Émirats Arabes Unis qui veulent normaliser leurs relations, puisque l'État palestinien, qui officiellement n'existe pas, n'a aucune capacité pour empêcher à Israël de nouer des relations diplomatiques avec le pays qu'il veut. Ce qui gêne surtout l'OLP, l'autorité palestinienne, c'est qu'il y a un contrat moral qui les lie avec les Arabes à travers la Ligue arabe, avec les pays musulmans à travers l'organisation de la coopération islamique, comme on l'appelle actuellement. Et à travers ces deux organisations, ces États s'étaient entendus pour qu'il n'y ait jamais de normalisation des relations avec Israël tant qu'on ne va pas mettre sur pied en bonne et due forme l'État palestinien. Si on se rappelle, à l'époque même, la Ligue arabe avait fait le lobbying avec les États africains pour mener de fond ensemble la lutte contre l'apartheid et la lutte contre l'occupation des territoires palestiniens, de sorte que certains pays africains même qui avaient des relations avec Israël avaient rompu ces relations avec Israël. Bon, maintenant, on se rend compte que les pays arabes sont en train de revenir, puisque l'Égypte a renoué avec Israël en 1979. La Cisjordanie l'a fait en 1994. Aujourd'hui, c'est les Émirats Arabes Unis qui le font. Et il ne faut pas qu'on se fasse des illusions aussi. Beaucoup de pays arabes ont des relations avec Israël, même si ce n'est pas officiel. Donc, clairement, c'est plus l'attitude des Émirats Arabes Unis qui frustre l'autorité palestinienne et non celle d'Israël. Tout à fait. Les Palestiniens ne peuvent être surpris par aucune des attitudes d'Israël. Ce que les Palestiniens ne peuvent pas comprendre, c'est que ceux qui les défendent, ceux qui disent les protéger, ceux qui disent les soutenir, ceux qui sont d'accord avec eux que pour régler ce problème, il faut une solution à deux États, sont en train de faire plus l'affaire d'Israël que des Palestiniens. Parce que quand on parle d'accord, l'accord même, c'est plus, finalement, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai dedans, puisque si on se rappelle, au départ, quand l'accord est sorti, les Émirats Arabes Unis ont dit, bon, les Palestiniens vont y trouver leur compte parce que Israël accepte d'abandonner l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Immédiatement après, Netanyahou a réagi pour dire non, on n'a jamais dit qu'on va abandonner, on a dit qu'on va suspendre. Mais même si c'était abandonné, les Émirats Arabes Unis n'ont rien apporté aux Palestiniens si les Israéliens abandonnent l'annexion de la Cisjordanie, parce que ce que les Israéliens veulent abandonner, c'est une colonie qui est actuellement remplie, non pas de Palestiniens, mais d'Israéliens, qui empêchent aux Palestiniens qui sont là-bas de pouvoir vivre correctement, alors qu'ils sont en territoire palestinien sur le principe du partage de 1947. Donc en fait, même ce qu'ils prenaient comme on a apporté quelque chose, ils n'ont absolument rien apporté. Et malheureusement, Netanyahou a même démenti ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qui justifie côté Émirats cette normalisation des relations avec Israël? Des intérêts. La réaction turque le montre clairement en disant que les Émirats Arabes Unis ont sacrifié la cause palestinienne pour de petits intérêts. C'est des intérêts parce que quand vous regardez les points les plus importants au niveau de l'accord, à part le point que je viens de citer, c'est la normalisation des relations diplomatiques. Donc, on va se retrouver avec un échange d'ambassadeurs. C'est également une ligne aérienne entre Abu Dhabi et Tel Aviv. C'est aussi des investissements des Émirats au niveau de Israël. Après, un autre élément qui s'y ajoute, qui n'est pas très important, on dit que les musulmans vont pouvoir aller maintenant à la mosquée Al-Aqsa en passant par Abu Dhabi.
Ben, il est plus facile de passer par la Palestine que d'aller passer par Abu Dhabi pour aller à la mosquée Al-Aqsa, à la mosquée Al-Quds, qui fait également l'objet de conflits dans la zone, parce qu'occupée par les Israéliens. Ben, quand on regarde sur les accords, il y a quoi pour les Palestiniens? Mais pas grand-chose. Puisque la petite chose, si on peut l'appeler ainsi, c'était qu'Israël laisse définitivement la Cisjordanie dans la partie palestinienne et Netanyahou a démenti en disant que c'est une suspension, puisque ça, c'était sorti déjà dans l'accord que Trump leur avait fait signer sans les Palestiniens. Et ici, c'est la même chose. On a signé sans les Palestiniens en voulant dire qu'on fait quelque chose pour les Palestiniens. Est-ce que la réaction palestinienne n'est pas un peu disproportionnée au contenu même de l'accord? Non, elle n'est pas disproportionnée parce que c'est des pays qui avaient pris le devant de cette lutte, que ce soit les Émirats Arabes Unis, que ce soit l'Arabie Saoudite. Et depuis un certain temps, on ne reconnaissait plus ces pays parce que tout le monde savait qu'il y avait des relations entre ces pays et Israël. Parfois même, les gens parlaient de connivence entre eux, Israël et les États-Unis, parce que la relation avec Israël passe également par le tuteur qui est leur tuteur à eux tous en même temps, les États-Unis. C'est pourquoi l'accord va être signé à Washington. Ce n'est pas rien que c'est Trump qui s'est mis dans cette affaire, parce que l'accord dépasse seulement cette affaire Palestine-Israël. L'accord rentre dans le cadre global d'un endiguement de l'Iran que Trump essaye de faire depuis qu'il est là pour pouvoir mettre les pays arabes d'un côté et mettre Israël de ce même côté où se trouvent les pays arabes pour que tous ces gens-là puissent faire front contre l'Iran. Mais les gens ne s'y trompent pas du tout. Quand vous allez dans ces pays, vous testez l'opinion des populations, mais les populations sont foncièrement contre l'installation même d'ambassades d'Israël au niveau de leur pays. Mais au sommet, c'est une autre logique qui marche. Ce n'est pas ce que les populations veulent que ces pays sont en train de faire. Mais présenter en tout cas cet accord entre Israël et les Émirats comme étant ce qui va tuer la solution à deux États, Palestine-Israël, c'est peut-être ça qui est excessif comme réaction. Non, ce n'est pas excessif parce que le principe était au départ que pour amener Israël à accepter l'État palestinien, il fallait qu'aucun État arabe ne noue des relations avec Israël. Je ne parle même pas de diplomatie, même sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle, même sur le plan sportif, quand on fait les matchs pour la Coupe du Monde, en principe, Israël devrait jouer dans la zone géographique où Israël se trouve. Mais Israël ne joue pas dans cette zone. Puisque même ça, les gens l'avaient refusé, même le sport, les gens l'avaient refusé, en disant que c'est un moyen de pression pour obliger Israël à accepter qu'un État palestinien soit créé. Alors qu'actuellement, les Palestiniens sont au courant de ce qui se passe. Quand les Émirats Arabes Unis passent, vous voyez, les gens commencent à dire que peut-être l'Arabie Saoudite également va ensuite franchir le pas, alors que ces deux pays étaient un peu une sorte de tête de pont dans le soutien des Palestiniens. Quand il y a des bombardements, ils viennent pour reconstruire les hôpitaux, les écoles, etc. Et les gens leur disaient à un certain moment, mais regardez ce que vous faites. Au lieu de laisser on bombarde, vous venez vous reconstruisez, empêchez à ces gens de bombarder, vous n'aurez pas à reconstruire ce qui a été détruit par les bombardements. Donc, quand on voit les Émirats Arabes Unis tomber, la crainte, c'est que d'autres pays arabes ne prennent le même chemin. Et en ce moment, cette pression qu'on voulait faire sur Israël en l'empêchant d'intégrer cette zone où elle se trouve géographiquement, cette pression ne servirait plus à rien. Et aujourd'hui, est-ce que la cause palestinienne n'est pas en train d'être un peu abandonnée par les autres États arabes? Mais on peut dire qu'elle est abandonnée. On peut même pas dire en train d'être abandonnée. Il y a un abandon en bonne et due forme. Si cette cause n'avait pas été abandonnée, l'État palestinien aurait dû naître depuis fort longtemps. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, au moment des accords qui mettaient la Palestine, qui faisaient qu'on confiait la Palestine à l'Angleterre sous forme de mandat avec la SDN, c'est la même situation qui s'était passée au Togo, quittant les Allemands pour aller vers la France. Et le Togo est indépendant depuis 60 ans. Alors qu'à l'époque, la Palestine était considérée comme un pays qui pouvait aller directement à l'indépendance. Le Togo pouvait attendre encore un peu. Mais le Togo fait 60 ans d'indépendance, la Palestine n'a pas encore son indépendance. Donc si les gens s'étaient investis véritablement, ils auraient pu le faire parce qu'ils ont le pétrole, ils ont des pétrodollars, ils ont plein de moyens de pression, mais malheureusement, une bonne partie de ces pays arabes ne sont pas autonomes. Ces pays dépendent souvent des États-Unis qui protègent Israël. La deuxième chose, c'est souvent des pays de dictature où
ce que les populations pensent n'a rien à voir avec ce que les autorités font. Parce que s'il fallait écouter les peuples arabes, tout simplement, la Palestine a obtenu son indépendance depuis fort longtemps. Que ce soit au niveau de la Ligue arabe ou au niveau de l'OCI, est-ce que les Émirats arabes unis pèsent ? Ils pèsent financièrement, puisque c'est l'Arabie saoudite, c'est les Émirats arabes unis, c'est le Koweït. Donc c'est ceux qui ont le pétrole qui pèsent, parce que financièrement, quand on met en place le budget, quand on met en place les programmes, les projets qui sont financés, souvent, c'est eux qui amènent le plus de pétrole dollar. Raison pour laquelle, pendant un temps, ça posait même des problèmes, parce que quand on a voulu réorienter l'OCI, je me rappelle du sommet de Dakar en 92, j'étais membre d'une association qu'on appelait Association de soutien à l'OCI. Notre objectif était de faire de l'OCI une OCI des peuples, au lieu d'en faire une OCI des chefs d'État et des rois qui se rencontrent dans de très gros hôtels, qui dépensent énormément de milliards et puis qui repartent avec des résolutions qui pèsent des kilos et dont aucune résolution n'est appliquée. Mais quand ce travail intellectuel a été fait, les rois arabes en particulier n'en voulaient pas, parce que ce travail intellectuel remettait également en cause la façon dont les pays musulmans sont gérés, en demandant qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la démocratie, qu'on écoute la voix du peuple, alors que dans les pays arabes, on ne veut pas du tout entendre parler d'une telle chose. Alors qu'en Palestine, la voix du peuple s'entend. Ce n'est pas comme ce qui se passe au niveau des autres pays arabes. Et après cet accord, les Palestiniens ont appelé la Ligue arabe et l'OCI à se réunir rapidement pour dénoncer l'accord, mais ils n'ont pas été entendus. Ben, malheureusement, quand les Émirats arabes unis sont de côté, l'Arabie saoudite ne dit rien, parce que l'Arabie saoudite a une réaction plutôt mitigée par rapport à une telle chose. Mais si vous voulez convoquer l'OCI, ça devient un problème. Puisque comme je disais, c'est eux qui financent, c'est eux les gros bonnets. C'est la Turquie qui a réagi, c'est l'Iran qui a réagi comme d'habitude, puisque quoi qu'on dise aujourd'hui dans le monde musulman sur le plan international, c'est ces deux pays qui prennent indiscutablement le leadership quand il s'agit de se prononcer sur la question palestinienne en particulier. Les autres pays hésitent parce qu'en fait, eux-mêmes sont déjà avec des relations officieuses avec Israël. Comment ils vont dénoncer alors qu'ils sont, j'allais dire, dans les rangs pour certainement, eux également, normaliser au bout du compte leur relation. Ils sont très mal placés pour vouloir donner une leçon aux Émirats arabes unis dans ces conditions. Et c'est pourquoi, effectivement, la Palestine a réclamé une réunion de la Ligue arabe. Elle n'a pas lieu jusqu'à présent. Elle a réclamé également une réunion de l'Organisation de la Conférence islamique. Elle n'a pas lieu et pour le moment, on n'a pas indiqué également une date pour que cette réunion puisse se tenir. À travers cet accord, est-ce qu'on peut parler clairement d'une forte diplomatie israélienne ou plutôt des États-Unis ? C'est plutôt une diplomatie américaine. Si c'était que Israël et les Émirats arabes unis, les Émirats arabes unis n'allaient pas renouer. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne donne pas à ces peuples la possibilité de réagir. Si c'était le Sénégal, les Sénégalais sont dans la rue. Mais dans ces pays, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de marche, il n'y a rien du tout. Il y a des gens au sommet qui décident. Le peuple, on vous demande de vous soumettre un point, un trait. De sorte que, en fait, ce n'est pas que les Émirats, en tant qu'État, sont véritablement intéressés par cette relation, mais vous avez aux Émirats arabes unis des gens qui ont de l'argent, qui sont intéressés par une ligne aérienne entre Abu Dhabi et Israël, qui veulent aller investir au niveau d'Israël dans l'eau, dans l'énergie, parce que c'est déjà même précisé là où vont aller ces investissements. Donc c'est un intérêt pour un petit nombre dans ce pays qui amène les Émirats à y aller, en plus bien sûr d'une pression des États-Unis qui veulent aider Israël à pouvoir normaliser ses relations sur le plan international. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous mène à la pause et on retrouve après l'invité de ce jour.